Prenons le temps. Prenons le temps de nous asseoir. Ou si c'est plus confortable, si vous êtes plus à l'aise, prenez le temps de vous allonger. Je vous invite à vous laisser guider par le corps et par le besoin, par l'appel. Par l'appel du corps, l'appel des sensations. Notre choix de posture n'est pas guidé par notre tête en réalité. Mais parfois, il peut être guidé par nos habitudes. Ouvrons simplement notre cœur et notre esprit à la possibilité de nous laisser guider par ce qui est juste présent là, par l'appel que nous fait le corps. Et quelle que soit la posture qui est juste pour nous, dans laquelle nous nous sentons à l'aise, laissons-nous ressentir. Laissons-nous ressentir comment nous sommes installés. Laissons-nous ressentir comment nous nous sentons à cet instant, dans cette posture, à cet endroit. Laissons-nous sentir le souffle, le cœur qui bat. Et à présent, nous pourrions inviter notre attention à se diriger vers quelque chose qui, pour nous, en ce moment, est difficile. Pour reconnaître ces difficultés que nous rencontrons, ça et là. Peut-être un défi à relever. Peut-être une douleur à apaiser, peut-être un moment difficile à surmonter. Voyons comment nous nous sentons et ce qui vient à notre conscience lorsque nous évoquons quelque chose de difficile pour nous à cet instant, dans cette période. Et laissez venir ce que nous ressentons, ce sentiment et ces pensées. Ouvrons-nous simplement à ressentir, à accueillir, sans chercher à combattre, à lutter, sans chercher à changer. Ou à vouloir autre chose. Et durant toute cette pratique, si la rencontre avec cette difficulté ou ces difficultés que nous vivons actuellement est trop difficile pour nous, autorisons-nous à sortir de la pratique ou bien à revenir dans notre respiration. La pratique n'est pas un défi à relever, un challenge contre soi-même, au contraire.
contraire. Elle nous invite à nous accueillir tels que nous sommes et parfois, tels que nous sommes, c'est difficile. Donc n'oublions pas que nous avons des ressources qui nous permettent un temps de nous éloigner et de revenir. Et parmi ces ressources, la respiration est un bon allié, un ami fidèle, un pilier de pont. Dans cette conscience de cette difficulté, de ce moment, de ce ressenti du moment, de ces sentiments du moment, de ces pensées du moment. Imaginons à présent que nous sommes en présence d'un ami cher, de quelqu'un qui nous aime profondément, vers qui nous pouvons nous tourner lorsque nous avons besoin de soutien. Ce peut être un ami, un proche, ça peut être une figure, ça peut être un animal de compagnie, un être cher qui est là. Imaginons que nous soyons en sa présence et sentir que nous comptons pour cet être. Et sentir également qu'il nous veut du bien, qu'il nous veut nous voir nous sentir bien. Qu'il veut que nous nous en sortions de cette difficulté. Alors, laissons venir cet ami cher en nous. Nous sommes en sa présence et voyons dans le même temps nos difficultés, comment nous en faisons l'expérience. Et imaginons cet être à côté de nous et nous exprimant sa compassion. Voyons ses expressions, ses gestes, son attitude, ses mots, ses regards. Cette expression de compassion qui n'est rien que pour nous, de sa part. Et permettant à notre conscience d'accueillir cette compassion. Nous permettant de nous imprégner de cette chaleur, de cette prévenance, de toute la bienveillance et de l'amour que cet être cher nous témoigne à cet instant dans sa compassion. Accueillir. Accueillir cette compassion sincère, aimante, tendre. Parfois, nous avons du mal à accepter la compassion de l'autre. Parfois, nous avons du mal à accepter de nous sentir soutenus. Essayons. Essayons simplement d'accepter de nous sentir compris, de nous sentir aimés. Même si c'est juste un tout petit peu. Permettons-nous de recevoir.
restant dans cette douce présence vis-à-vis de nous-mêmes, sentons comment nous sentons précisément en recevant cette compassion de cette chair qui nous offre son amour. Et à présent, imaginons un être qui nous inspire de la compassion. Un être qui peut être pour nous un enfant, un parent, un animal, un être cher qui nous inspire de la compassion. Et imaginons que nous ce que nous ressentirions si cet être était confronté aux mêmes difficultés que nous à cet instant. Qu'est-ce que nous ressentirions en le voyant dans la même situation que nous, dans les mêmes difficultés que nous? Et laissant la compassion emplir notre esprit à cet instant. Laissant la compassion emplir notre corps à cet instant. Et nous invitant à étendre notre compassion à cet être cher. À cet enfant, à ce parent, à cet animal. Offrir notre compassion. Prenons le temps de ressentir. Sentir notre propre être empli de compassion et offrant cette compassion à cet être. À présent, l'invitation est très simplement d'étendre cette compassion à nous-mêmes. Cela pourrait prendre la forme de phrases que nous nous invitons à prononcer en nous-mêmes intérieurement, dans ce silence de la pratique. De voir ce qui résonnerait le mieux en nous, mais peut-être que les choses s'améliorent pour moi. Que je me sente libéré. Que je sois rassuré sur l'issue de la difficulté.
je trouve la force de me soutenir. Que la lumière de la présence guide mon chemin. Amenant de la chaleur vis-à-vis de soi. Reconnaissant la difficulté, la douleur. Et souhaitant d'aller mieux. Peut-être que d'autres mots arrivent à notre esprit à cet instant qui viennent nous faire témoigner de compassion vis-à-vis de nous. Laissons venir ce qui nous vient. Offrons-nous des mots, offrons-nous des phrases, des souhaits. Ces souhaits du cœur, tendres et profonds. Sentant la compassion nous emplir, devenir une partie de nous-mêmes. Sentant l'apaisement, la douceur, la tendresse. Sentant la force, le courage qui reviennent. Et nous laisser emporter par cette compassion. Compassion que nous avons reçue d'un être cher, que nous avons offert à un être cher, et qu'à présent nous nous offrons à nous-mêmes. Permettant à cette compassion de nous habiter, de circuler. Nous ouvrons à notre propre cœur. Demeurant dans cette
sensation et dans ce sentiment de compassion encore quelques instants jusqu'au son de la cloche qui résonnera dans un instant et nous félicitant de nous être ouverts nous être permis de revenir à notre cœur un instant.